après avoir volé peut-être 20 fois ou 30 fois sur une longueur de 200 mètres, 500 mètres, 300 mètres, j'ai fait quelques virages et je me suis engagé. Et le 13 janvier 1908, j'ai réussi à partir d'un point donné, virer autour du poteau et revenir au point d'atterrissage, ce qui faisait que j'avais gagné le prix d'os de la meute de 50 000 francs de l'époque.